Elle s'est réveillée, étourdie par ses rêves. Elle était une enfant cavalant sur la grève. Qui était ce vieil homme assis sur une chaise, regardant l'horizon au bord de la falaise? Vers 8h30, elle est sortie du lit. Ça fait plus de 20 ans qu'elle est là sans mari. Tandis qu'elle écoutait son petit transistor, elle a bu son café en regardant dehors. Les marronniers sont beaux, mais ils montent trop haut. C'est pas encore cette année que j'aurai des cerises, les moineaux mangent tout. Elle a eu le projet d'appeler le voisin, celui qui gentiment s'occupe du jardin. Plusieurs fois elle a fait le numéro chez toi, mais c'était occupé où tu n'étais pas là. Elle aurait bien aimé encore te parler. Entre nous, tu étais son petit préféré. Elle a mis la télé, amour, gloire et beauté. Elle était triste un peu quand elle a su qu'Audrey désirait avorter, alors que pour Edouard, cet enfant était inespéré vu qu'il avait perdu sa première femme qui était morte dans un accident d'hydravion. Alors Audrey, c'est ce que lui a dit Edouard, elle approche de la quarantaine. Mais alors ce qui compte pour Audrey, c'est sa carrière, sa carrière. C'est des gens, si vous voulez, qui auraient tout pour être heureux, mais... Son feuilleton fini, elle a débarrassé la table où elle a pris son petit déjeuner. Maladroite en faisant la vaisselle à casser, le bol bleu rapporté d'un voyage en Vendée. Sur lequel est inscrit ton prénom à la main. Elle a dit, ah vraiment, je ne suis plus bonne à rien. Et puis elle a refait le numéro chez toi. Je sais bien que tu n'étais pas là. Elle aurait bien aimé simplement te parler. Entre nous, tu étais son petit préféré. À 9h30, elle a fait sa toilette, a mis sa robe en lin, celle des jours de fête. Elle s'est aspergée d'eau du Mont-Saint-Michel, elle a mis sur ses yeux un peu trop de rimmel. Elle a mis son collier et son foulard en soie, puis elle a attendu, comme on est bien chez soi. Sans doute elle a refait le numéro chez toi, elle a dû convenir que tu n'étais pas là. En fin de matinée, vers 11h30, elle s'est allongée et tout était fini. Elle est partie rejoindre l'homme de la falaise, celui qui dans son rêve l'attendait sur sa chaise. Tu ne sauras jamais ce qu'elle voulait te dire. Un dernier mot d'amour, avant-dernier soupir. Ça n'aurait rien changé. Arrête de pleurer. Tu restes pour toujours son petit préféré.